nous allons sonder une des tragédies les plus atypiques de l'histoire du crime. L'assassinat d'Hélène Pastor, une des femmes les plus riches du monde. Le 6 mai 2014, à Nice, elle est victime d'une embuscade en plein jour. Deux tueurs à gages lui tirent dessus à bout portant, tuant au passage son chauffeur. À Monaco, la famille Pastor est considérée comme la deuxième famille princière et pour cause. Ils détiennent un tiers des logements du Rocher, la ville la plus chère du monde. À la tête de cet empire de béton régnait Hélène Pastor, 77 ans. La discrétion faite femme, elle vivait tranquillement de ses rentes au-dessus de tout soupçon. Le premier suspect est son propre gendre. Pour ne pas se salir les mains, il serait allé chercher les tueurs dans un monde radicalement opposé. Des voyous défavorisés, prêts à faire couler le sang pour quelques milliers d'euros. À qui profite le crime? Et si l'assassin avait été sous ses yeux? Et surtout, quel est le mobile?